Bonjour à toutes et bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui j'ai décidé de retourner au massif de la Montagnette. Cette fois-ci on va se diriger côté Graveson. Voilà, ce magnifique endroit. Bon, il y a encore un petit peu de vent, je m'en excuse, je suis avec mon pote Hugues là, cette fois-ci. Et là on va aller un peu plus loin. D'ailleurs il y a des trekkers en face, enfin, des marcheurs, des promeneurs. Bon, je vous refais voir un petit peu le coin. Bon, de toute façon, vous avez vu la première partie, enfin la deuxième partie. Là, ça sera la troisième partie finalement. Il y a quand même 6000 hectares. Hein. De toute façon, si vous avez bien regardé, j'ai mis la description de cet endroit sur la vidéo précédente. Je remettrai une description. Et là, on va aller plus loin avec le pote. Voilà. Bonjour, mesdames. Voilà. Et je m'excuse pour la dernière fois, il y avait beaucoup de vent. Tu vois, Hugues, on va aller en face là-bas. On va aller de l'autre côté et c'est direction Graveson. Bon, c'est un peu couvert. Ouais, dommage, c'était du soleil tout à l'heure. Eh ouais, il y a des nuages. Ouais. Et là, il y a des nuages. Ben, je comptais venir hier, mais bon, hier il pleuvait. De toute façon, c'est le printemps. Ah oui, je suis content, là, on a l'heure d'été. C'est magique. Ouais. Bon là je vais pas vous faire voir, je vous ai déjà fait voir là-bas de l'autre côté. Tu vois, on voit tous les beaux de Provence. On va voir un peu ce que ça donne. Là on s'approche de Graveson. Et ça monte tout le long. Hein. T'as vu, ça monte quand même, hein, Hugues. Hein. Ouais, ça monte. Allez, je vous refais voir un peu de ce côté. Ouais, il y a quand même 6000 hectares, ouais, je viens de le dire tout à l'heure, c'est quand même assez grand, j'ai reçu une goutte. Ah, c'est les nuages. J'ai reçu une goutte, bon, en espérant qu'on ne se prenne pas la flotte. Voilà, là-bas il y a un rocher, je ne sais plus comment il s'appelle, le rocher que vous voyez en face, je vais m'approcher, je vais vous remontrer, vous refaire voir ce rocher. En fait là-bas, Hugues, c'est derrière le rocher, on est sur la route de Tarascon, tu sais. On rattrape Graveson. Ouais, il y a la voie ferrée, justement. Et ce rocher, je crois que c'est celui-là, il a des millions d'années, ce rocher. Je sais plus, je veux pas trop dire de bêtises. De toute façon, c'était marqué dans ma description. Voilà, le rocher là-bas. Bon, je pourrais pas zoomer. On va se diriger par là-bas. Voilà, c'est ce rocher que je parle là-bas. Je sais plus comment il s'appelle. Je mettrai dans la description. C'est déjà un peu plus découvert là-bas. De ce côté, on voit l'antenne des Beaux de Provence. J'ai reçu encore une goutte. Là, on est sous le nuage, regardez juste là. Ouais, c'est un petit nuage ça. C'est un passage. Bon, j'espère que ça vous cassera pas trop les oreilles le vent. Ah, goutte. Ouais. Bon, moi j'ai la capuche, t'as une capuche toi? Non. Oh merde, mince, ouais, mais c'est un nuage qui passe là. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, c'est le printemps, là. Bon, ça sent bon, là. Ça sent le thym, là. Ça sent super bon. Là. Allez, de toute façon, comme d'habitude, je vais vous reprendre un peu plus loin. Sur la dernière fois, je suis passé là. Et un olivier. Ouais, sont petites les olives là. Petites olives. Ouais, c'est des olives noires. Voilà, j'adore ce coin. Ouais, ça commence à laisser une petite averse. Mais j'espère que ça le fera à l'image. J'ai pas réglé la caméra. Et là, on se prend un petit peu la pluie. Mince. Et là-bas, on voit le moulin aussi. Je pense qu'on aura dépassé le nuage. Ouais. Voilà. Bon, là-bas, c'est moins cool. La centrale de d'Aramon. C'est vrai que ça casse le paysage, ça. C'est central. Là. Tu vois, moi, je voulais passer par là-bas. Ouais. Si on était passé par le moulin, on aurait pris ce sentier. Tu le vois, le sentier là-bas, ouais. J'aurais pu passer par là aussi. Ah, il y a plusieurs chemins. Ouais, mais tu m'étonnes. C'est super grand, hein, l'air de rien ici. Oh, pauvre, les gouttes elles commencent à grossir là. C'est un beau terrain de jeu ici. Hein. Ouais, pour les vélos aussi. Pour les vélos, pour les marcheurs. C'est clair. C'est vrai qu'en VTT, mais je crois que je suis venu moi déjà ici. Ça me parle. Ah ouais, t'es déjà venu à l'époque? Je suis venu, on faisait du VTT à l'époque avec Cédric. D'accord. Avec Christophe et tout. Tiens, on le voit mieux le rocher. Je suis venir tourner en vélo ici. Ah ouais. Ben ouais, c'est clair. On passait derrière l'abbaye de Frigolet. D'accord. Et on faisait tout le tour. Et en fait, tu tombes sur la montagnette. Hein. C'est ça. Oh, Paul, sont grosses les gouttes là. C'est roulant là, avec un bon VTT là. Ouais, c'est top. Hein. Pneus, ouais, c'est ça. C'est roulant, hein. Roule, là. Faut vraiment des bons pneus, c'est clair. Oui, faut des bons pneus, hein, avec des crampons. Hein. Ben moi, mon vélo là, je pourrais pas avec les pneus que j'ai, je crèverais direct. Tout terrain, là. Ouais. À la limite, tu te fais une fourche, une bonne fourche bien suspendue avant. Bon, je vais me répéter dans la description que j'ai mise la dernière fois. C'est ce rocher qui parle. Ça doit, vous le verrez de toute façon. Je le filme là en face. Alors, un truc qui est très appréciable, c'est pas un bruit. Ah ben oui. C'est calme total. C'est calme, c'est clair. Ça change des villes. Et là-bas, il y a une ruine, je sais pas ce que c'est. Bon. Bon, de toute façon, je vous reprends un peu plus loin, comme d'habitude. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, je vous refais voir ce panorama. Alors, on est à 500 combien, t'as dit? Attends, parce que ça change. Ça fait que changer. Je vous refais voir ce panorama. Je sais, l'autre fois, je vous ai montré. Combien? 800? Non, non, merde. Là, tu vas montrer avec la montre. Là. On est à 380 mètres à peu près. Quoi, je croyais qu'on était plus haut. 379 mètres. Eh ben, c'est plus haut que la canne, c'est aussi haut que la canne. Là, on vous montre. On est à peu près à 400 mètres. 400 mètres de hauteur. Attends, là-haut, c'est le plus haut là-bas. On a encore, enfin, il y a encore. Ça monte encore. Là. On est à peu près à 400 mètres. Tiens, on voit le moulin là-bas. Je vous ai montré la dernière fois. Bon, là, c'est couvert. Là. Oh, c'est beau hein, quand même. Attends, les éoliennes, comme la dernière fois. Oh, Yvonne! Chaque fois que je vois une éolienne, je pense à Yvonne. Ouais. Ouais, c'est vraiment magnifique ce coin. Là, on les voit mieux, là. Les... Oh mince. Bon, les beaux de Provence. Et... Oh, je me rappelle plus, j'ai une trou de mémoire. Le Luberon, pardon. Et là-bas, c'est Fontvieille, en fait, ce que j'expliquais la dernière fois. Fontvieille, c'est tout le début des Alpes. Hein. Et j'irai cet été vous faire voir le moulin d'Alphonse Daudet, je l'ai déjà dit, je sais. Ouais. Tiens, les éoliennes, elles tournent un petit peu. Bon, cette fois-ci, on va descendre plus haut, plus bas. Là, on se rapproche de Graveson. Ah, c'est génial ce coin. Ah, ça souffle, voilà, on va se diriger plus bas. Vous voyez le sentier, je sais pas si ça se verra à la caméra. Tu vois Hugues, on va aller par là-bas. On continue le sentier. Génial, hein, c'est beau. C'est beau, et eh ben on le voit là, le Mont Ventoux. Je prendrai pas le téléphone, ça sert à rien. Là, on le voit un peu le Mont Ventoux. Tiens, on voit les Angles là-bas. T'as vu qu'on voit Avignon là-bas C'est les Angles en fait qu'on voit là-bas. Les Angles, c'est à côté d'Avignon, c'est dans le Gard là, par contre. C'est moins nuageux là. On voit le pont du TGV là-bas. Il y a le Ventoux là-bas. Ouais, ouais, on le voit. Bon, j'espère que ça ne vous cassera pas les oreilles, parce qu'il y a un petit courant d'air. La dernière fois, ça soufflait là. Mais d'ailleurs, j'ai coupé la vidéo là la dernière fois. Pour ceux qui ont regardé. Oh, que c'est beau. C'est vrai que c'est beau la nature, j'arrête pas de le dire. Puis le calme, t'as vu, enfin, c'est agréable le calme. Ouais, parce que là, ça descend. Et ouais, c'est quand même sympa cet endroit. C'est dommage qu'on ne peut pas camper, mais bon, c'est compréhensible aussi. Là, c'est interdit, là, le camping. Bon, c'est déjà bien pour les vélos. Bon, ben là, ça va, il n'y a pas de vent là, pour le moment. Là, je suis un petit peu abrité, mais là, tout à l'heure, ça souffle. Des fois, ça souffle un peu, pardon. Là, on va descendre par là. Je vais voir s'il n'y a pas un autre chemin. Bon, c'est raide, là. Je crois qu'on va prendre par là. C'est un peu moins raide. J'attends mon pote. Je change de chaussures. Ouais, ça fera la troisième partie, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure. Ouais, on va descendre par là. Là, j'attends le pote. Oh, c'est calme. Eh, je vais quand même prendre le téléphone. À tout de suite. Bon, là, c'est moins cool, l'antenne au réseau. Par contre, là, ça passe, le réseau. Allez, je vais prendre le téléphone. Alors, je sais pas pourquoi il me fonce le téléphone. Là. Il n'y a pas trop de lumière. Hein, ça ouais. Tu sais quoi, on retombe là où il y a la voie ferrée. Là. Eh oui, sur la route de Tarascon. En fait, c'est la voie ferrée qui va dans le sud. Je suis désolé, ça fonce de malade, mais on les voit un peu, les éoliennes. Là. Regardez, je vais un peu zoomer encore. Hop. Bon, de toute façon, c'est pas extraordinaire ces éoliennes, mais bon, elles sont présentes. Allez, je dézoome. Hop là. Eh ouais, ça se couvre, ça se couvre. Allez, on descend, on continue. La randonnée, c'est quand même une petite randonnée là qu'on fait la table. Peut-être je vais zoomer là-bas, le Luberon. Voilà, on voit les montagnes du Luberon. Désolé pour la qualité, hein, c'est pas top, mais voilà. Allez, on continue. Ouais, en fait, petite rectification, je pensais qu'on était direction Graveson, en fait c'est direction Tarascon, voilà. Aussi, il n'y a pas de panneau par où je suis passé, alors c'est... De toute façon, c'est direction Graveson aussi, Tarascon, c'est ça qui m'a trompé, hein, voilà. Allez, on continue l'ascension. Je suis désolé, je me suis trompé, hein, ça arrive à tout le monde. Il n'y a que ceux qui font rien, qui leur arrive rien, hein, comme dirait l'autre. On va voir où ça tombe après. Voilà, on s'approche des éoliennes. Ah, regardez ce rocher, c'est celui que je vous montrais tout à l'heure, de loin. C'est drôle, on n'entend pas d'oiseaux chanter. C'est bizarre. On n'a pas trop entendu d'oiseaux chanter. Là, il fait pas trop froid, mais bon, c'est bon quand même. Là. Enfin, ça secoue. Hein. Et ouais, s'il y avait le soleil, quand il y a le soleil, il fait plus chaud. Ben, le soleil, il est de l'autre côté, vous voyez là-bas, ça doit se voir à la caméra. Il y a des nuages au-dessus de nous. Ouais, c'est nuageux. Ouais. C'est pour ça que c'est couvert. Tiens, tu vois, il y a un rocher là-bas, on va aller sur le rocher. Là. Je vois qu'il y a un sentier. Là. Bon, ça se voit pas à la caméra, mais moi je le vois. Tu vois le rocher là-bas? Ouais. On va aller jusque là-bas. Il y a les éoliennes. Ben, c'est... Ouais. Ben, t'as vu, on les voit de loin, mais c'est pas à côté à pied. Ben, j'y étais allé, moi, il y a 2 ans. Oh, c'est super calme. C'est super calme. Au fait, ah oui, j'ai une précision à faire. Pour ceux qui croient que je gagne de l'argent sur YouTube, c'est pas le cas. Je gagne pas 1 centime. Voilà, je voulais le préciser aussi. Ça, il faut avoir 1000 abonnés pour commencer à gagner. Vu que je les ai pas, et puis même de toute façon, si je les avais, les 1000 abonnés, je gagnerais quoi? 1 centime, vu le nombre de vues que je fais. Mais bon, moi, je suis pas là pour gagner de l'argent. Je suis là juste pour partager ma passion et pas plus. Voilà, et puis c'est dommage aussi. Tiens, je vais aussi un peu... Alors j'ai des abonnés, ça doit pas les intéresser ce que je fais, parce que j'ai 700 abonnés et je fais que 100 vues par vidéo, alors je comprends pas. Bon, après, je force pas les gens à regarder, c'est sûr. Mais bon, voilà quoi, c'était pour préciser. Il y a encore des panneaux là-bas. Je crois que c'est sur la gauche, Graveson, en fait. On va aller voir le panneau. Là. Je parle plus un peu, je vous laisse un peu écouter le silence, le bruit du vent et des pas surtout. Bon, on va se diriger du côté du Mas de Monge. Alors je sais pas quoi faire, prendre à gauche ou aller tout droit là. Ben, on va passer tout droit. Le Mas d'Olivier. Et il y a le Mas de Guigues à côté. Là. Il y a le Mas de Guigues. Le Mas de Guigues et le Mas de Monge. Ouais, on va à Mas Monge. Allez, on va par là. Là, on se rapproche carrément de Tarascon, c'est clair. Ça fait partie de Tarascon, en fait, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on se prend la pluie, là. Ben ouais, là, il commence à pleuvoir. Il y a des nuages au-dessus de nous, là. Oh là là, là où qu'on c'est vrai. Ça se court. Ouais, pour un gros nuage. Ça va pour le moment, c'est... Bon, moi j'ai la capuche, hein, ouais, t'as pas de bonnet hein. Non, j'aurais dû prévoir. Mince. Ouais, ça va, c'est une petite pluie fine. Bon, j'espère que ça va pas mouiller. Non, je pense pas que c'est des gros nuages, mais ça peut être chiant si ça dure. J'espère que ça se verra pas trop sur la caméra. Là. Que l'eau va pas tomber sur le capteur. Là. Ouais, on va aller au bout là-bas. Waterproof. Oui, oui. Elle est étanche, mais bon, tu sais, sur la vidéo, après, autant on va voir la pluie. Je sais pas après ce que ça va donner, on verra de toute façon. Nature peinture. C'est juste un nuage qui passe, regardez. C'est Mas Monge, c'est en fait. Oh mince, la pluie, elle commence à bien tomber. Là. Moi, j'ai la capuche, en fait. On s'approche du gros nuage. Ouais. On se prend la pluie là, ouais. On aurait dû aller direction Mas de Guigues. Tu crois? Ben ouais, ça a l'air dégagé. Là, on va vers la pluie, regarde là-bas. Ouais, c'est vrai. On a vu, bon, écoutez, on fait demi-tour. Hein. On va faire demi-tour parce que là. Bon, moi j'ai la capuche, mais mon pote il a pas eu. Hein. Allez, on fait demi-tour. Ouais, parce que là, on va vers la pluie, regarde là-bas. Ouais, allez, je la mets. C'est un nuage qui passe, regardez. Ah, mais il est balèze, hein. Regarde tout ça. Ben ouais, il est balèze. La mince, pas de chance. Ouais, c'est chiant. Après ça descend là-bas, c'est vrai, on les voit bien là, les Alpilles. C'est le printemps ça, hein, c'est chiant. Eh oui, de toute façon il faut qu'il pleuve. Il faut qu'il pleuve. J'aurais dû pleuvoir le parapluie, mais... Ah, ça y est, il y a une goutte sur le capteur, bon, on continue de toute façon. A tout à l'heure, je vous reprends après. Un peu moins fort. Ouais. Non, on va aller par là, le nuage, lui, il progresse vers là. Il fait que passer le nuage. Ouais, il y a des gouttes, ça se voit sur la vidéo. Bon, c'est pas grave. Allez, à tout à l'heure. Bon, mais voilà, on s'approche du fameux mas. Mais bon, on s'est pris un gros nuage de pluie. Mais c'est dommage, c'est pas super bien indiqué quand même ici. Hein. T'as vu, Hugues? Je crois que c'est ça le mas de, je sais pas, de Guigues. Ouais, ça doit être ça, je pense. Mais ouais. Il y a un panneau plus loin. Mais là, l'air de rien, on est à Tarascon. Hein. Ouais, exactement. On est à Tarascon par les collines de Boulbon. Hein. De Boulbon à Tarascon. Ah, t'as le titre de la vidéo. Eh oui. Je pense que ça sera ça. Oh mince, je regarde pas, moi. Ouais, ma montre, elle était à zéro. Ouais, j'étais à zéro. J'ai quand même 8944 pas depuis la voiture. Ça représente combien, ça, déjà? Je me rappelle plus. Attendez. Oh, pas, je regarde pas trop ce que je filme. Et on n'a pas fini. Fait, après, il y a le retour. Ouais, 6 km 68. On est à 87 mètres. Ah, là, on est à 87 mètres. On est descendu, hein. Bon, on a fait 6 km 68. Fin. Jusque-là. De la voiture. Ben, t'as vu, ça monte, hein. Ça monte pas mal à des endroits. Ouais, c'est prêt. Ça y est, le nuage, il est en train de partir. C'est un moment, il y avait une sacrée averse. Bon, après, là, je pense que ça tombe sur la route. On va rattraper la route. Là. On tombe à Tarascon. Hein. Et tu vois, par les collines, c'est plus court. Parce que là, de Boulbon, Tarascon, il y a 8 km par la route. Et t'as vu là, par les collines, ça coupe. C'est drôle, hein, ça coupe par les collines. Enfin, c'est génial, là, non. Ouais, ça fera une petite randonnée de presque 14 bornes aller-retour. Parce que là... Dans le chemin de terre de cailloux, quand même. Ouais, et... C'est pas du plat non plus, mais bon, c'est cool. De toute façon, là, c'est du sport un petit peu. Ah ben, on arrive là. Tiens, on va voir, il y a un panneau là-bas. Ouais, ben c'était là le mas de. De Guigues, c'est ça? Ouais, de Guigues. Ah, il y a des chevaux, oh, qui sont beaux. Ben, on peut dire que de toute façon Tarascon, c'est un peu le début de la Camargue. C'est le début de la Camargue, Tarascon. Beaucaire, tout ça, Nîmes, bon, c'est plutôt Arles, la capitale de la Camargue. Mais... Il y a des sacrés rochers. Hein. Ben, il y a encore le panneau, le massif. Là, sont neuves, les maisons, là. Mmh. Massif de la Montagnette. Ouais. Il y a le panneau là-bas, oh il est beau le cheval. La maison là, elle est neuve, hein. Ouais. Ah ben ils sont bien là. Je serais bien curieux de savoir où on tombe là, Tarascon. Hein. Voilà. Là on sort du massif de la Montagnette. Bon après il y a tout l'autre, il y a l'autre côté, hein, pour rattraper Saint-Michel de Frigolet. Hein. Ouais, il y a la voie ferrée là-bas, je crois. Voilà. De Boulbon, on est venu jusqu'ici. Voilà. Nickel. Ah ben il est là. Regardez, c'est là, mais... Pour l'avion. Mas de Guigues, c'est plutôt ça en fait, Hugues. C'était là le mas, en fait la maison ça n'avait rien à voir. C'est là. Oh, oh, ça fait du bien à marcher sur le goudron. Putain, je crois que je vais monter le petit rocher, on coupera la vidéo là-haut. Hein. Tiens, on va voir de l'autre côté la vue. On va faire un peu de l'escalade. Oh là là, t'as vu l'avion? Il fait des loopings, le gars. T'as vu? Je sais pas si ça se verra à la caméra. Là. Tiens, on va voir si on peut monter. Voir où ça tombe de l'autre côté. Hop là. Oh, il en fait du bruit cet avion. Là. Allez, ça monte là. Oh, ça glisse là. Ah là 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 là. Tiens, je vous remontre. Bon là c'est dommage, on voit des poteaux électriques. Tiens, on entend les oiseaux. Faut que je fasse attention, ça glisse. Fais gaffe Hugues, ça glisse. Tiens, je vais passer par là. C'est trop raide de l'autre côté. Puis mes chaussures elles glissent. Il y a des ronces là en plus. Ça pique là. Oh là là. Bon, je vais couper et on coupe là-haut. Cela c'est un peu dangereux. J'ai pas mis de tomber. Voilà la voie ferrée, on l'a rattrapée. Bon là c'est plus plat. Bon, on l'aura fait quand même ce tour. On aura fait un sacré tour là. Je commence à connaître le coin là. Tiens, regardez l'avion, je sais pas si ça se verra. Là, on va monter sur le petit rocher. Tu vois, là, elle a rattrapé le rocher, la voie ferrée. Là. Alors je me demande si c'est pas celui-là de rocher que je parlais au début. Enfin, je sais pas, après je sais plus. C'est peut-être celui-là. Parce que dans la description, il marque que c'est à côté de la voie ferrée. Regarde, il est là. Hein. Je pense que c'est celui-là le rocher. Là. Je sais plus le nom qu'il a, je vais pas dire de bêtises. Des cartouches. Eh oui, ben ouais, ça chasse. Hein. Tiens, je vais monter sur le rocher là. Ben. Et on se dit bye bye après. Hein. Bon, je pense que on aura bien fait le tour de cet endroit. Dommage, on s'est pris un petit peu la pluie, mais bon, c'est le printemps. Voilà, allez. Ouais, c'est joli, hein. Le fameux petit rocher. Tiens, on voit les chevaux. Tiens, on fait un petit 360. Je suis un peu essoufflé là. Ah ouais, là il voit bien les beaux de Provence. Et le Luberon aussi. Allez, petit 360. Hop là, il y a le vent qui se lève. Bon, sur ce, je vais vous quitter. On a quand même encore le retour à faire, mais bon, ça va, là, on a l'heure d'été. On va pas se prendre la nuit. Hein. Ouais, on a fait 9604 pas. Je regarde combien ça fait. Mince. Bon, c'est pas violent hein, non plus. Ouais, on a fait 7,16 km depuis la voiture, depuis le village de Boulbon. Voilà, ça fait partie de Tarascon. Hein. Ça fait partie de Tarascon. Bon, cette fois-ci, je vous laisse. Hashtag le partage, c'est la vie et la santé aussi. Prenez soin de vous et merci d'avoir regardé la vidéo. Et vive la liberté. Prenez soin de vous. À bientôt. Je sais pas ce que ce sera la prochaine vidéo. On verra. On verra bien. Allez, ciao l'ami, à bientôt, ciao, ciao.